盤を制した者が勝つんだ。ゴールに突き刺す。Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans ce nouveau Dreamfest du mois de... Bah forcément du mois d'août, voilà, le mois de... enfin, la fin des vacances du mois d'août. Donc, les nouveaux Allemands, Margus et notre ami Chester. Donc là, vous voyez plusieurs rate-up, ne vous inquiétez pas les amis, je vais tout vous expliquer. Alors, il y a un rate-up... si je dis pas de bêtises, où ce sera Schneider, Fest et le Genzo dans une première partie. Et une autre partie, Chester, Margus, Kals et Rivaul. Voilà. Donc c'est pour ça que vous voyez beaucoup de persos à l'écran. Donc de toute façon, si vous voulez savoir les dates des rate-up, etc., vous allez dans l'info. Si vous voulez, on va regarder ça ensemble pour vous dire... de quoi il en retourne. Beaucoup de news aujourd'hui. Beaucoup de news. Alors, on va voir ça tout de suite. Voilà, merci. Alors, vous avez dit... Bon, on va détailler les joueurs après. Hein, pas besoin. Bon, ça, c'est les anciens. Alors, voilà. Première série. Kals et Rivaul. Et la deuxième, dans quelques jours, c'est Schneider et Genzo. Donc si vous visez le Genzo ou le, Chester, ou le Schneider avec les nouveaux Dreamfest, attendez. Voilà, n'invoquez pas tout de suite, attendez. Attendez. Bon, maintenant il y a des bonus qui vont tomber. Donc les bonus Dream Championship... pendant 15 jours, donc il y aura 15 Dream Ball plus des récompenses supplémentaires. Donc premier jour, une Dream Ball, 5 Dream Pots. Donc le Dream Pot, je vous ai mis sur Twitter les joueurs, donc il y a des bons joueurs. Bon, moi je risque d'avoir beaucoup de doublons, donc moi je vise essentiellement le Pierre Rouge. Et il y en a un autre qui m'intéresse, mais j'ai oublié là, comme ça, le Pick-up. Des joueurs, il y en a un qui m'intéresse, j'ai oublié. Mais en tout cas, le pierre rouge, je l'ai pas. Tout le reste, j'ai. Il y a des doublons qui peuvent m'intéresser. Par contre, il y a des doublons qui peuvent m'intéresser. Et voili, voilou. Alors, attendez, hop. Il y a aussi maintenant un nouveau event avec des pièces, normalement, si je dis pas de bêtises. Alors, attendez, on va voir ça tout de suite tranquillement. Ça risque d'être une longue vidéo, les amis. Je ne vais pas vous mentir. Le jeu partagé complètement libre, bon, ça se revient assez souvent, donc c'est pas une énorme news. Le portail avec le Tachibana reste encore pendant un bon moment, donc je pense faire le step 4. Peut-être avec vous, d'ailleurs. J'ai 29 Dream Ball, mais bon, je pense que je vais passer à la caisse. Hop. Allez, vas-y mon petit chat. Allez. Ok, donc voilà Dreampo. Donc ah oui, voilà, le Oeran. Le Oeran et le Pierre Rouge m'intéressent fortement. Voilà. Donc voilà ce qu'on a. On a 5 Dream Ball, des tickets Dream Championship. Ah non, c'est le Dream Championship face final recrutement Dreampo. D'accord. Et on a une Dream Ball par jour avec. Aujourd'hui, c'était les carnets UR Max. Max. Ça c'est terrible avec les entraîneurs, ça c'est génial. Demain ça sera exercice fort, ça sera roi du foot, etc. etc. Le cinquième jour on aura 10 tickets Dream Pot, etc. 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 Voilà. On a le scénario, on va voir peut-être la boutique après. On a des missions quotidiennes. Voilà. Bon là c'est la boutique, je vous laisserai regarder tranquillement la boutique ce qui vous intéresse. Et on a un cadeau. Donc c'est quoi ces cadeaux? Non, ça c'est la boutique, je crois, non? Oui, voilà, ça c'est la boutique. Ok. On va prendre les cadeaux d'ailleurs, comme ça au moins ça sera fait. Donc bien évidemment une grosse pensée à mon ami Atsushi qui joue Europe, hein, qui va bien évidemment viser vraiment
les deux joueurs allemands, hein, pour vous allez comprendre pourquoi par rapport à leur leader skill qui donne 15% à tous les joueurs junior youth. Donc par exemple le nouveau Zino Hernandez fait partie de cela. Splendid dribble sauté, magnifique, vous avez pu voir. Donc voli volou. Alors on va voir ça, hop, comme ça. On va aller voir vite fait, et après bien évidemment on va vite passer au joueur. Désolé, hein, si vous voulez sauter, sautez les amis, hein, si ça vous intéresse pas, sautez directement sur l'analyse des joueurs. Alors, voilà, tac, on va voir le marché. Bon, il y a encore des Dream Ball à récupérer, 4 Dream Ball. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le Ino avec la part du Dragon X. D'accord, on a le Rivao avec la pâche chirurgicale X, le Shingo avec l'interception, qui fait toujours plaisir, hein. Si vous ne l'avez pas, c'est le moment de la monter à 80, voilà, ça fait toujours du bien, de la monter, qui est extrêmement forte. Ticket SSR à 35 pièces d'or, 3 pièces d'or pour les tickets reset du Limit Break. Bon, les tickets retrait technique, les médailles Rimbo, les médailles potentielles, les ballons SSR qui vont coûter en solde 30 pièces d'or, il y en a un seul, et ensuite ça vous coûtera 50 pour un ballon SSR x 5, un ballon SSR classique 15, voilà, des ballons A, alors on a pour les SPA, pardon. Bon, ballon pour le Nita, pour le Shimazu, pour le Matsuyama, le Morizaki, le Santana, le Salinas, pardon, le Alberto. Alberto, c'est peut-être la première fois que je le vois. Le Hernandez, si vous voulez encore monter celui du Dreamfest, le Elcide Pierre, le Napoléon, le... Ouais, c'est beaucoup d'Europe, là. Là, il y a beaucoup d'Europe. Je crois qu'il y a... Ouais, il y a un peu de japonais, mais il y a beaucoup, beaucoup de non-jap. 1, 2, 3, 4. Il n'y a que 4 jabs et tout le reste. Voilà. Déformation. Il va vous falloir 450 pièces d'or. Ça n'a pas l'air beaucoup comme ça. Donc ça n'a pas l'air beaucoup. Donc voilà. Donc là, une formation très très offensive. Joueur japonais physique plus 10. Voilà, par exemple. La non-japonais attaque plus 10. Aussi, ça peut être sympa. Là par contre, ouais, non japonais défense plus 10, ouais, c'est pas celle-là que je préférerais. Ouais. Peut-être la première ou la deuxième. Ouais, peut-être celle-là, la 4-2-2-2. Qui peut-être sympa pour vous. Donc là, bon, les médailles, je ne sais pas encore fait. Il reste 3 jours. Je vais peut-être fermer encore un petit peu pour prendre un ou deux ballons. Et voilà, voilà. Ouais, il y a beaucoup de news parce que vu que la finale arrive bientôt, la finale arrive dans 2 semaines normalement. Arrive le. Donc là, il y a 4 Dream Ball à récupérer, ça fait plaisir. Attendez, que je regarde s'il n'y a pas autre chose. Non, il n'y a pas autre chose. Alors, on nous avait dit qu'il y avait des récompenses quotidiennes. Donc normalement, les quotidiennes, je crois qu'il faut dépenser 30 et 50 ballons d'énergie. Voilà, dans la mission normalement. Il y aura les 3 matchs ligue comme d'habitude, hein, vous connaissez les amis. Ah, c'est pas aujourd'hui. Ok, bon, c'est pas ça. Ça a pas l'air de... Ça sera peut-être pour lundi sûrement. Je crois que c'est pour lundi. Ce qui peut être logique. Hein. Ce qui peut être logique. Attendez, on va voir ça vite fait. Je sais que je prends beaucoup mon temps, désolé. Hein. Beaucoup de blabla pour rien. On meuble pour rien. Pour les 20 millions, j'ai pas eu énormément de choses. Donc voilà, la coupe S30. Donc là, c'est... voilà, tu fais n'importe quelle équipe, Jap, pas Jap, Sudam mélangé avec de l'Europe, tu fais ce que tu veux. Donc je pense que ça va être du S30 pour tout le monde. Alors, hop, tac. Donc pour revenir aux 20 millions, j'ai eu que le Tsubasa. Donc, je suis content parce que c'était le joueur que je visais vraiment. Le reste, le Shunkosho, pas tellement. Et le Genzo, j'aime pas les gardiens à puncher. Voilà, ça c'est mon avis perso. C'est voilà. Donc la campagne le 30. Voilà. Récompense le 30.
Donc ça c'est ça, ça commence aujourd'hui. Le scénario aussi. Ah voilà, ça commence le 31, donc demain. Ça commence demain. Demain, 2 heures du matin, l'émission quotidienne. Voilà, pour l'émission quotidienne. Ok. Alors, c'est parti. Allez, on va voir les joueurs très rapidement. Du Margus et du Chester. Il y en a plein qui l'ont deviné. Hein. Donc, GG à ceux qui l'ont deviné. Bravo à vous. Bravo à vous parce que. Il y en a plein que j'ai vu dans différents chats qui avaient mis les deux carrément. Donc c'est bien. Bien joué à vous les gars. GG à vous. Allez, on va faire le Chester en premier. Hop, collection. Avec le maillot vert. Hein. Allez là. Il est rouge, il est magnifique. Hop, avec la petite image qui pop derrière. 1006 d'endurance, donc c'est un junior youth et pas un world youth. Milieu offensif et milieu défensif, donc double poste, ça fait plaisir. 23 619 en attaque, 7 100 en dribble, 7 800 en tir, 8 118 en passe. C'est très certainement le meilleur passeur du jeu là. Là, je crois que 8 000, on n'est pas loin du meilleur. Je crois qu'on est au moins dans le top 3 minimum du jeu. Gros dribbleur. Très bon frappeur aussi, donc bon, on va privilégier plus un gros passeur. 17 916, donc 6 600 de tacle, 4 000 en contre et 7 000 interceptions. Donc bien évidemment, tu vas vraiment privilégier l'interception. Si tu as un petit tacle derrière les fagots, tu lui mets un petit tacle, mais voilà, défensivement, là où il va faire mal, c'est peut-être dans l'interception. 19 472 en physique, 7 000 en rapidité, 5 500 en puissance et 6 800 en technicité, donc c'est cohérent avec l'interception et la passe, ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Donc il donne à tous les junior youth 15%, donc c'est beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs junior youth dans le jeu, donc voilà. Après, même si c'est vrai qu'avant on était en méta world youth, avec l'anniversaire, etc. etc. Là, il y en a tous les junior youth japonais, européens, sud-am, 15%. Donc, ça peut être très très fort. Et il a le même passif que le Sawada World Youth, maître de la zone centrale, 12%. Donc, il faut vraiment le mettre soit milieu défensif central ou, pardon, ou numéro 10, mais vraiment dans l'axe, quoi. Donc, pour que ce soit vraiment bien dans l'axe du terrain. Splendide dribble sauté, 275, donc il va monter jusqu'à 475 d'intensité. Tacle droit, donc très très bien, 340. Et splendide volée sautée. Comme vous avez pu le remarquer, il n'a pas de passe. Donc moi j'ai un doublon du Chester que je vais vous montrer. Il est. Alors attendez. Ah non, moi j'ai le bleu. Ah moi j'ai le bleu. Qui est là, je l'ai en doublon. On va prendre le SSR, on s'en fiche. Il est là, donc la splendide volée sautée. Donc le. Bah, attendez, je crois que j'ai fait une petite boulette. Attendez. Ah non, c'est un dribble. Donc. Ah oui, voilà, splendide dribble sauté. Et l'autre, c'est splendide volée sautée. Donc voilà, c'est un dribble, tacle et une interception. Donc. Si vous avez par exemple ce Chester là en doublon, voire peut-être même celui-là, attendez, je vais voir peut-être celui-là. Non, lui c'est un M2. Donc vraiment, il faut vraiment viser celui-là, le bleu qui vous donne une passe S. Donc là, c'est lui qu'il vous faut, quoi. Et moi, je l'ai en doublon. Donc si demain je drop le Chester Dreamfest, automatiquement je lui mets la passe S du. S du. Bah le. Je mets la passe S au Dreamfest. Voilà. Je vais y arriver. Sinon, qu'est-ce qu'on peut lui mettre d'autre comme spé? Donc une passe, bien évidemment, S. Attaque, dribble. Bah une 2. Peut-être le. Attends, alors attendez. On va voir qu'est-ce que je peux récupérer du bleu. Donc on a dit la passe. Bon, le dribble, ouais. Et tacle droit, il l'a aussi. Donc peut-être un 1-2. Une, deux, je sais pas s'il y a un Chester qui donne une frappe. Attendez, on va voir ça tout de suite, mais je crois pas. Celui donne un tacle droit S. Ah, il a le tire-boucle. Donc, on peut récupérer le tire-boucle. Ou la combinaison germanique.
Mais il va falloir les quatre Allemands. Moi j'ai déjà deux Dreamfest allemands. Donc bien évidemment, si demain j'ai le Margus et le Chester Dreamfest, je mets les quatre ensemble dans le même terrain et je peux faire la combinaison germanique. Voilà. Voilà ce qu'il faut faire les amis. Donc si vous avez le Chester bleu, et ben soit vous sacrifiez. Je sais pas, ça à vous de voir. C'est à vous de voir. Si vous l'avez en doublon, la question ne se pose même pas. Voilà, ça ne se pose même pas. Voilà le Margus Dreamco que j'ai depuis extrêmement longtemps. L'un des premiers attaquants forts du jeu que j'ai eu. Il est là, il est vert lui. Hop, voilà. Clic. 1014 en endurance, très bien. Attaquant, tout simple. 22 397 d'attaque. 7184 en dribble. 7009 en tir. Ça s'attendait à du 8000. Bon, on n'est pas loin d'être du 8000. Hein. Bon, après, avec le limit break et tout. Bon, voilà, je te laisse faire les calculs. 7002 en passe, c'est très bien. 14 244 en défense, 5 600 en attaque, 3 400 en contre, 5 186 en interception, 23 976 très très fort en physique, 6 222 en rapidité, 9 316 en puissance, très 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 fort en puissance, 8 432 en technicité, très 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 bon et très fort en ballon haut. Ah ouais. Là, oui. Il donne, comme son ami Chester, 15% à tous les juniors Youth. Et il prend un boost qui va quasiment. Enfin, il a un passif qui va quasiment tout le temps fonctionner. Parce que l'une des SP principales est des ballons hauts ou des ballons basses. Hein, parce que dans les différents Margus du jeu que vous allez avoir, vous pouvez avoir des têtes plongeantes ou des têtes balles hautes, voilà, ou des reprises. Donc 12%, donc 12% que vous allez avoir très souvent. Donc ce Margus-là va tuer, par exemple, le Wakashimazu Dreamfest, tous les gardiens qui ont le passif maître de surface, et ben il va pouvoir les tuer, parce que vu qu'il sera dans la surface, un peu comme le Tsubasa Dreamfest, qui tue tous les gardiens qui ont des passifs dans la surface en dehors de la surface. Enfin, non, attendez, dans la surface, voilà. Donc voilà. Donc 12% qui est parfait. Esprit germanique tenace, donc ça c'est une frappe un peu une sorte de combinaison un peu bizarre où il tire sur le gardien la repousse et il la met quand même. 440 coûte assez cher pour 455 d'intensité. Le 1-2 avec très certainement Chester, voilà, forcément. Dribble puissant, c'est assez cohérent dans le truc. Dribble, donc un tir. Donc si vous pouvez récupérer une passe, ce serait sympa. Je sais pas s'il y a un Margus qui a une passe sympathique. Et le reste du temps, peut-être un tacle. Peut-être un tacle et une interception. Voilà. C'est ce que je construirais comme ça, à première vue. Voilà, moi j'ai ce Chester là, le gratuit, qui était là. Alors qu'est-ce qu'on peut récupérer sur... bon, la tête haute. Tête haute, voilà. Peut-être mettre une tête haute, ouais. Et tête plongeante. Lui, il est très bien. Si vous pouvez récupérer ce Chester là, ce Margus là, pardon, ce Margus, et lui prendre ses deux spé pour le mettre sur le Dreamfest, comme ça vous avez un tir normal, une reprise balle haute et une reprise balle basse. Donc là, ça peut faire le café. Ça peut faire le café. Après, on a le World Cup qui est là. Qu'est-ce qu'on peut récupérer sur le World Cup? Donc voilà, tir coupe-feu. Peut-être le tacle, ouais, à la rigueur, peut-être le tacle, oui. Un tacle, un gros tacle, oui. Par exemple, sur le Dreamco que j'ai, bah voilà, la balle haute, tête plongeante, voilà. Voilà, peut-être que là, ce serait peut-être temps de sacrifier, ouais. Sacrifier pour le Dreamfest. Voilà les amis, hop. On va voir ça tout de suite. Tac, allez. Mais très fort, hein. Très très fort les deux. Hein. Les deux sont très très forts. Ouais. Donc les jeux de droite, ok. Donc on a le portail latin.
je vais faire le step 4. Voilà, je vais le faire aussi. Voilà, j'ai enfin eu le. Ah bah j'ai un ticket, violet. Ouais, bon, ticket violet. Donc le DreamPod, hein, vous savez comment ça se passe. Ce que je vous conseille, les amis, c'est de faire à chaque fois. Alors voilà, il y a un SSR dans le pot. Voilà, il vous explique, hein, hop. Donc vraiment le ORAN, hein. Je cherche vraiment le ORAN et le Pierrot. Et le petit Pierrot, lui, je viens de l'avoir. Lui, je l'ai depuis extrêmement longtemps. Et voilà quoi. Donc le DreamPod, un SSR, 13 SR et 26 R. Donc voilà. Donc un conseil pour le DreamPod, faites que des singles. Ne faites pas de multi. Parce que si vous faites des multi. Parce que quand vous faites des singles, tant que vous n'avez pas le SSR, comme ça vous gardez vos tickets, vous gardez plus de chances pour le prochain DreamPod. Donc un conseil, faites toujours des singles, des singles, des singles, tant qu'il n'y a pas le SR qui est tombé. Comme ça, quand le SR il est tombé, vous reset le comment il s'appelle? Le pot pour recommencer. Comme ça, vous maximisez vos chances d'avoir le maximum de SSR possible. Voilà les amis. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du Margus et du Chester. Est-ce qu'il vous intéresse? Est-ce que c'est la méta qui vous intéresse? Donc voilà. D'ailleurs, attendez, juste on regarde un dernier truc. Le Hernandez, je vais juste voir le Hernandez, qu'est-ce qu'il avait comme leader skill. Bah, de toute façon, ouais, je peux regarder dans ma box, il est là le Hernandez. Il est là. Hop. Ah non, lui, ah non, lui c'est à tous les Européens, il donne 10%. Donc là, franchement, si vous avez le Hernandez Fest et les deux à côté, ouais, vous pouvez monter. Si vous faites une Europe Junior Youth, compliqué, hein. Donc ouais, il faut voir les amis, il faut voir tout ça. Je vous laisserai voir tout ça tranquillement avec Mitch, avec l'ami Atsushi, avec Zeleko, avec tous les amis qui font des analyses approfondies. En tout cas, je vous souhaite bonne chance pour vos poules si vous décidez de pull sur ces joueurs-là. Donc attention, si il y a deux phases dans le Dreamfest, une avec le comment il s'appelle, avec le Kals Dreamfest et le Riva Hall, et un autre avec le Schneider et le Genzo. Moi perso, hein, la série avec le Schneider et le Genzo, ça c'est plus intéressant. Surtout si vous n'avez pas de gardien vert fort et que vous n'avez pas le Schneider Fest. Peut-être viser cette vague-là. Voilà. Les amis, je vous laisse. Portez-vous bien et bonne chance pour vos poules. Et je vous dis à très 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 bientôt sur Captain Tsubasa Dream Team. Ciao.